Effectivement, Digicel fait des ajustements au niveau de tarifs LIO, mais moi, je voulais être très clair sur qui ça qui passait au cours des 2 dernières années et ça, Digicel te prend comme décision et en termes de compagnie. Faut me dire que au cours des 2 dernières années, il y a un peu de bagages qui arrivaient, parmi lesquels prix carburant qui vient doubler. Ok, faut me dire que pour les compagnies de télécommunications en général, ok, le carburant c'est plus gros ligne de coût que compagnie de télécommunications gagne. Deuxième aspect, c'est que tu gagnes une dévaluation astronomique de goudla contre le dollar. Ce qui veut dire quoi? C'est que investissement que nous faisons en dollars, fait ou bien gain pour fait, et puis ou gon monnaie côté qui a dévalué. Alors, pour qu'à continuer à investir, pour qu'à continuer à fonctionner, faut que ou faire des ajustements de prix. Maintenant, vite, t'es venu un choc là au niveau de prix carburant yo, et prix et d'évaluation goud là. Digicel te prend une décision que le tapral fait des ajustements de façon progressive au lieu que l'y fait un bagage qui était immédiat pour tout l'autre secteur dans le pays. Que ce soit manger, que ce soit transport, que ce soit loyer, que ce soit et construction. Tout secteur ça a été ajusté prix à dévaluation goud là immédiatement. Et là, nous garder indice de inflation qui est publié par entité gouvernementale, nous prouve que en termes de inflation, le secteur de télécommunication est toujours le plus bas de tous les secteurs dans le pays. Alors oui, nous fait on focus sur Digicel parce que nous faisons des ajustements de prix. Faut dire que, comme n'importe quel autre secteur, il faut que nous ajustions nous à l'environnement. Nous te prenons une décision pour que nous ne fassions pas d'un seul coup, que nous fassions progressivement. Et tout autant que l'environnement nous a évolué, nous prenons obligé à ajuster nous face à l'environnement. Et je vais vous donner un exemple. Dernier ajustement significatif que nous avons fait, c'était au mois de juin. Je vous dis à là, nous allons arriver en octobre. Entre juin et octobre, pas de aucun changement qui fait. Et pour qui ça, pas de aucun changement qui fait, c'est parce que monnaie a été relativement stable. Okay? Nous pas de des bagailles qui changent au niveau de l'environnement de façon drastique. Et nous-mêmes, nous allons rester stable face à l'environnement. Nous. Mais si l'environnement a changé de façon très drastique, faut que, quelle que soit compagnie, ce n'est pas seulement compagnie de télécommunication, ajuster. Je dis à là, son bagage qui est extrêmement important, toute route nationale est bloquée. Pas de moyens pour que nous transportions et camions carburant à travers la route nationale. Nous sommes obligés, ni pour le nord, ni pour le sud, monter sur des bateaux pour que nous arrivions à Saint-Marc ou bien nous arrivions à Miragouane pour que nous fassions dispatch et au niveau de différents départements dans le pays. Faut me dire que situation ça lui-même, moi pas même voulais parler de tout l'autre aspect qui changeait dans le pays. Situation ça lui-même seulement coûtait compagnie à plus de 2 millions de dollars par année juste parce que nous pas capable en route. Et c'est ça qui a changé dans l'environnement, c'est ça qui fait que compagnie a gagné des ajustements que l'a fait. Gain toute qualité investissement que nous toujours planifié en termes de service. Mais investissement ça OK, yo planifié basé sur en situation ou environnement qu'on définit. Et l'environnement, ça a changé du jour au lendemain, ou obligé garder pour voir comment qu'on peut adapter l'investissement. Ça faut me dire que année ça particulièrement, nous décidons de faire des investissements côté que nous avons fait installation en nouvelle technologie qui est le Massive MIMO pour que nous augmentions capacité, vitesse, data sur réseau de façon significative. Nous-mêmes, au mois d'octobre, après commencer le déploiement de solutions solaires sur presque 130 sites à travers les pays pour que nous réduisions la dépendance nous sur le carburant, ce qui peut créer une stabilité additionnelle pour les clients, parce que y a un plus gros problème qu'on gagne, c'est la difficulté pour transporter le carburant dans différents sites et dans différents côtés dans le pays. Et nous gagnons des investissements qui prévoit pour continuer avec l'expansion SAIO au cours des 5 prochaines années qui se passent. Maintenant, investissement SAIO planifié à partir de projections que nous gagnons et à partir de l'environnement que nous gagnons dans le pays. Mais si grand bagage drastique qui change dans l'environnement, il faut que projections SAIO adaptées, même genre.